monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale teint. Donc je vais faire ma routine teint vraiment pour avoir le teint parfait, nickel, photoshopé. Vraiment le teint que je fais pour les événements, pour mes vidéos, pour des photos. C'est pas du tout le genre de teint que je vais faire pour une sortie en journée, pour aller au shopping ou je sais pas, pour passer une journée, parce que c'est vraiment pas naturel. Et si vous cherchez quelque chose de naturel, eh bien, passez votre chemin, parce que c'est pas du tout naturel ce que vous allez voir là. Donc c'est très lumineux. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les teints lumineux. Pour moi le glow c'est trop important, j'aime pas quand c'est trop mat. Donc voilà, les personnes qui aiment bien les teints mat, encore une fois, vous pouvez toujours faire la même étape, mais juste passer les étapes highlighter et tout ça, et vous aurez quand même un très joli résultat aussi. Donc si vous voulez voir comment faire pour avoir un teint comme celui-ci, continuez à regarder. Alors première étape, je vais dégager mes cheveux. Donc je vais mettre deux petites mèches là derrière mes oreilles, comme ça me dérange pas pendant l'application de mon make-up. Alors première chose que je vais faire, c'est venir appliquer une crème hydratante. Donc je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Que vous ayez la peau grasse, que vous ayez la peau sèche, mixte, tout ce que vous voulez, vous êtes obligé d'hydrater votre peau tous les jours, et encore pire avant le maquillage s'il vous plaît. C'est une étape qu'il ne faut pas passer. Vous n'avez pas le droit de passer la crème hydratante, c'est obligatoire. Donc j'utilise ma Vanishing Cream de chez Lush. Franchement cette crème j'aime beaucoup, mais là elle commence à me fatiguer et j'ai envie de tester une nouvelle. Donc si vous avez des suggestions pour des bonnes crèmes hydratantes, je vous écoute s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle crème hydratante, j'en ai marre de celle-ci. Alors maintenant que j'ai hydraté ma peau, je vais faire une double hydratation et en même temps une préparation, donc une base pour le maquillage. Je vais utiliser ma Farsali Rose Gold Elixir. Donc ceci c'est une huile de beauté infusée d'or, et je l'ai depuis presque 2 mois et je l'adore. Franchement je trouve que ça fait vraiment une très grande différence quand je l'applique avant mon fond de teint. Le résultat final est vraiment différent. C'est vrai que c'est un produit qui coûte un peu cher, mais j'ai longtemps hésité à l'acheter, hein, je dois l'avouer, parce que j'ai toujours peur d'investir dans des produits qui coûtent cher et au final j'ai peur de ne pas les aimer et donc ça doit aller à la poubelle et au final je ne dois pas les utiliser, donc j'ai toujours peur, mais j'ai pris le risque et franchement j'adore, je regrette vraiment pas d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez voir, il y a plein d'or dedans, c'est vraiment trop joli. Et j'aime beaucoup l'odeur aussi, ça sent les agrumes comme ça, c'est citronné. Par contre les personnes qui ont la peau grasse, je pense qu'on ferait mieux de passer cette étape là et de rester uniquement sur votre crème hydratante et ensuite d'utiliser une base matifiante ou quoi. Je sais pas si ces deux étapes là c'est une très bonne idée pour vous, mais moi j'ai la peau sèche donc j'ai jamais assez d'hydratation. Tant qu'on est dans les étapes d'hydratation, je vais venir hydrater mes lèvres avec un petit pot de vaseline rosé, c'est pour les lèvres spécialement. Et je trouve qu'il m'aide vraiment à... En fait j'ai les lèvres super gercées, surtout en hiver, et celui-là il m'aide vraiment à faire en sorte que mes lèvres soient plus gercées, donc ça les guérit vraiment. Donc j'aime beaucoup ce produit. Voilà, maintenant je suis hydratée à 100% et ma peau est prête à recevoir le maquillage. Alors je vais juste lui prendre un peu de ce primer Smashbox. Celui-ci c'est un primer qui va venir flouter les pores, et je vais venir l'appliquer uniquement sur cette zone-là de mon visage, donc mes joues, parce que j'ai un tout petit peu de pores, mais vraiment regardez la quantité que je prends, c'est vraiment très très peu. Uniquement pour flouter un petit peu cette zone là, parce que ça c'est vraiment quand je vais avoir le teint parfait quoi, parce que sinon en général je passe cette étape là. Je vais maintenant venir appliquer mon fond de teint et je vais utiliser le Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc dans la dernière vidéo j'ai mis une teinte qui était trop claire et là j'ai une teinte qui est un peu trop foncée, donc je vais mélanger les deux ensemble et je pense que ça devrait bien. Je vais venir prendre directement le fond de teint avec mon Beauty Blender et venir appliquer sur mon visage. Je tiens à préciser que ceci est une routine teint que je fais uniquement pour des événements spéciaux, pour des vidéos, pour des photos. C'est pas le genre de maquillage que je vais me faire pour aller au boulanger en face. C'est vraiment pas quelque chose de naturel. Donc pour ceux qui cherchent quelque chose de naturel, vous devez passer votre chemin parce que c'est vraiment pas naturel. Maintenant que mon teint est fait, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc je vais utiliser deux anti-cernes cette fois-ci. Je vais utiliser le Maybelline Age Rewind. Non, c'est pas Age Rewind, c'est le Maybelline The Eraser Eye.
Enfin bref, c'est celui-là. De toute façon, il n'y a qu'une sorte de celui-là chez Maybelline. Et mon NYX HD, l'un est un peu foncé, l'autre est un peu trop clair, donc je vais mélanger les deux ensemble. Ce NYX-là, il donne très bien sur ma peau. Je l'applique vraiment sur le bas de mon œil et sur le centre de mon visage car c'est les zones que je veux illuminer et mettre en valeur sur mon visage. Et j'applique un petit peu du NYX aussi. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Aller faire un petit peu de baking. Faire du baking, c'est pas vraiment dans mes habitudes parce que j'ai la peau sèche et le baking à sèche. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est déposer la poudre et vraiment laisser poser, genre même pas une minute, comme ça, ça assèche le moins possible. Mais ça vient vraiment bien fixer le dessous de mon œil et vraiment faire un teint magnifique. Le baking, ça floute vraiment les pores, ça fixe vraiment super bien et ça donne un résultat complètement différent que si vous venez tout simplement appliquer votre poudre avec votre pinceau. Avant de venir appliquer ma poudre, je vais venir re-estomper mes régules. Pour être sûr que je ne fixe pas mes régules, je prends la poudre sur mon Beauty Blender et je vais appliquer directement. Et le seul autre endroit, à part le dessous de mon nez, que je viens mettre de la poudre et faire du baking, ça va être cette partie-là parce que au fil de la journée, mon fond de teint craque et ça me fait des rides. Et je déteste ça, donc je fixe vraiment bien cette partie-là. J'ai pris cette sorte de petit applicateur de chez MAC, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Je crois que c'est une bête, ou ça, je sais vraiment plus comment on appelle ça. J'ai pas envie de dire n'importe quoi et me ridiculiser, donc je ne vais rien dire du tout. J'avais pris ça pour appliquer la poudre bon baking et j'ai oublié, j'ai pris mon petit blender, mais là je suis en train d'estomper le reste de ma poudre avec ça. Juste pour voir comment ça donne parce que je vois plein de make-up artistes, par exemple Mario aussi, le maquilleur de Kim, il utilise tout le temps ce genre de truc pour appliquer la poudre. Donc je me suis dit, on va tester, peut-être que ça donne un plus beau résultat. Mais voilà, la prochaine fois je le testerai vraiment du début jusqu'à la fin parce que là tout ce que je fais c'est estomper le reste de ma poudre. Et franchement, j'aime bien, ça fonctionne bien. Alors maintenant pour venir fixer le reste de mon visage, encore une chose que je ne fais pas d'habitude parce que j'ai la peau sèche et j'aime pas trop poudrer mon visage. Mais c'est vraiment très très léger ce que je vais faire, donc je vais prendre ma poudre Studio Fix de chez MAC. Donc c'est une poudre au fond de teint, c'est très couvrant, c'est très épais, mais je vais vraiment venir prendre le minimum de produits possible, vraiment très peu, et vraiment taper tout ce qu'il y a sur mon pinceau et venir légèrement passer sur tout mon visage. C'est hyper léger et j'utilise vraiment un pinceau très fluffy qui prend pas beaucoup de produits, il y a presque rien sur mon pinceau, c'est juste pour faire. C'est juste pour une très légère fixation. Maintenant que nous avons passé toutes ces étapes-là, notre peau, notre visage est prêt à recevoir le contouring, le blush, l'highlighter, etc. Donc je vais d'abord venir faire mon contouring en utilisant le Oula Light. Donc c'est un bronzer de chez Benefit que j'aime beaucoup. Et il y a aussi la version originale, donc ça c'est la version plus claire. Et en hiver, j'utilise toujours celui-là et en été, le plus foncé. J'en prends sur un pinceau angle pour visage et je viens sculpter mes joues. Next, je viens appliquer mon blush, j'utilise le Orgasm de chez NARS. Alors normalement l'étape suivante est censée être l'highlighter, mais moi avant d'appliquer mon highlighter, je préfère toujours d'abord venir fixer mon visage avec mon spray fixateur de chez Mario Baudet. Pourquoi? Parce que j'aime toujours avoir une surface humide. Une fois que j'ai mis le spray sur mon visage, je le laisse sécher à 70%. Pas entièrement, donc il faut le laisser sécher vraiment au moment où il est presque sec. Vous allez venir appliquer votre highlighter. Ça va vraiment être un highlighter très voyant parce que la surface sur laquelle vous allez appliquer, ben, c'était humide. Donc j'utilise le spray de chez Mario Badescu. C'est celui à la rose, mais qui se trouve dans la bouteille du thé vert parce que j'ai vidé celui à la rose dans celui-là. Bref, on s'en fout.
Après avoir appliqué mon spray, je viens me passer comme ceci avec mon outil blender. Voilà, mon spray est presque sec, donc il est à 70-80% là. Et donc je prends mon highlighter, je vais utiliser le citrine de chez Jouer Cosmetics. Donc c'est un très joli gold clair, mais vraiment clair pour les peaux claires, il est magnifique. Et je viens l'appliquer avec un pinceau éventail sur toutes les zones de mon visage où je veux illuminer. Après avoir appliqué mon highlighter, je viens prendre mon beauty blender et passer par dessus juste pour le faire en quelque sorte, on va dire, rentrer dans la peau et pour qu'il fasse un peu plus naturel et plus fondu. Et je repasse juste encore une fois avec mon spray, donc uniquement sur les zones où j'ai appliqué l'highlighter. Alors juste, j'allais terminer le maquillage de mes yeux et mes lèvres et je reviens tout de suite. Et voilà, donc mes yeux sont faits, mes lèvres sont faits et le tuto est terminé. Voilà, vous savez comment faire pour avoir un teint comme les stars sur le tapis rouge, il n'y a pas de secret. Je sais que j'avais déjà filmé une routine teint à part, je sais que j'avais fait une vidéo sur le contouring et que dernièrement je vous avais fait une vidéo pour avoir le teint très glowy, mais ça c'était vraiment toute une autre routine complètement différente que je fais pour les événements, spécialement pour les événements. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé cette routine, dites en commentaire ce que vous voulez voir prochainement et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo.